Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat ma l'Oustad Mohamed Boukhari. Marhaba bikoum a'zaï al-kiram fi vidéo jadid ala qanatikoum Tarbawiyat ma l'Oustad Mohamed Boukhari. Fad la vidéo gadi ndel ma'koum l'activité de la grammaire, toujours dans l'unité 5, l'environnement, semaine 1 et 2, bi'unwan les adjectifs qualificatifs. Gadi nqraou lyouma w gadi ntaarfou ala les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif? Chna houma l'anwaa' diyal les adjectifs qualificatifs? Kifash kanstamlou hada l'adjectif qualificatif? Donc, pour présenter cette leçon, je vais vous proposer les phrases de l'équilibre « J'observe et je découvre ». Donc, un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Je répète. Un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. Donc, à les deux phrases les indignées. D'abord, on dit une chauffouche, nous allons dire au bien. Donc, j'ai oublié la question, l'équilibre, je manipule et je réfléchis. Donc, j'encadre le nom et je souligne les mots qui le qualifient. Un vent violent. Donc, le nom, c'est un vent. D'accord? Donc, le mot qu'il qualifie, c'est violent. D'accord? Un vent violent. Des grands arbres. Grand arbre. Arbre, arbre, c'est le nom. Grand, c'est l'adjectif. En fait, c'est l'adjectif. La petite gazelle. La petite gazelle. Donc, Aoutani, gazelle, c'est le nom. L'adjectif, c'est la petite. En fait, court sur l'herbe fraîche. L'herbe, comment elle est? Fraîche. Donc, le mot, là. Adjectif, ouais. Ça fait, c'est bien. Deux autres questions suivantes. Que précisent les mots violent, grand, petite, fraîche? Je nous précise. Donc, had, les mots, ils qualifient et précisent les noms. Donc, qualifie et précise les noms. D'accord, elle précise et qualifie les noms. Ces mots qualifient les noms qui l'accompagnent. Dans quel sens ceux qui sont placés avant le nom et après le nom? Normalement, l'équitouage d'eau, mort le nom. Ou l'équitouage d'eau, m'appelle le nom. Donc, avant le nom. Maintenant, après le nom. Donc, avant le nom. Donc, le nom, ouéhed. Donc le nom est donc les kinin qabl men le nom qui est grand, ok, petite, ou les bad le nom qui est violent, donc un violent, donc un vent violent, yani riyah ou le riyah anif, on a fraîche, d'accord, fraîche. C'est bien. Deux autres, je manipule, ou bien je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Okay, il a des précisions. Il peut être placé avant le nom. Exemple, une jeune fille. Donc, on a le nom, il y a fille. Ou l'adjectif, c'est jeune. Ça fait, donc, placé avant le nom. On peut être après le nom. L'exemple, il y a l'herbe fraîche. L'herbe ou le nom. L'adjectif, c'est fraîche. Un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Le nom, il y a un double, il y a les adjectifs qualificatifs. Exemple. La grande forêt verte s'étend sur une vaste surface. Donc, le nom est grand. Ou bien, forêt. L'adjectif, grande, verte, s'étend sur une vaste surface. Donc, la surface, vaste. Vaste, c'est l'adjectif. Ça fait. D'abord, on deux autres, je m'entraîne. Ça fait. Atadarrab ou atamarrab. Ça vous m'aille. On dit deux questions. La première, je complète par l'adjectif qualificatif qui convient. Radin Kemel, l'adjectif qualificatif, il m'unassib. On dit rapide, on dit grand, délicieuse, immense, belle. Donc, un, chihaja château, au milieu d'une chihaja forêt. Deux, chihaja fleur étale, leur pétale au soleil. Une voiture, une tarte. Donc, je vais dire un château. Le château. Donc, un grand château. Un grand château. Et le château, c'est un nom masculin. D'accord? Un grand château au milieu d'une immense. D'une immense. Yani, la forêt, il y a une immense forêt. Deux. De belles. De belles. De belles fleurs étalent leurs pétales au soleil.
Une voiture qui est rapide. Donc rapide. Au Catley, une tarte délicieuse. Délicieuse. Une tarte qui est délicieuse. C'est bien. Question 2. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Les adjectifs qualificatifs. Donc, on dit là, un petit jument de mon oncle est blanc. Donc, là, mais que je fous là. Donc, là, la petite. Donc, là, petite. La petite jument. De mon oncle et au champ le blanc, non, blanche, laisse les anala féminin, blanche, ça va. Chaque matin, elle galope sur la pelouse. Donc, chaque matin, elle galope sur la pelouse. Un peluche vert, un peluche verte. D'accord? La peluche verte. Deux jolis poulains. Deux. Je vais dire une jolie. On dit deux, et c'est là que je l'ai pleuré. Donc, deux jolis poulains. Noirs. C'est-à-dire, on dit deux, S. Noir. La suivre. Ça fait. D'abord, un deux autres, je vais dire les activités de l'évaluation, les kinines, la page 146. Donc, je m'évalue, je place les adjectifs qualificatifs entre parenthèses, avant et après le nom, dans les phrases suivantes. Donc, on dit, je vais dire les phrases. La phrase, il y a deux adjectifs. Un qu'avant, un après le nom. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Deux, de user livre vieux. Ou les deux vieux livres usés. Donc là, on va dire deux vieux livres usés. Pardon, on a le kinesh, donc on a E, accent S. Un, ou un élégant pilote jeune, ou là, un jeune pilote élégant. Donc un jeune pilote élégant. D'accord? Une, ou une rouge molle grosse, ou là, une grosse molle rouge. Une grosse molle rouge. Deux autres questions. Deux. Question 2. Suivez avec moi. J'enrichis les phrases avec les adjectifs qualificatifs. Donc, on a des adjectifs d'abord. Malika a dessiné une maison. Malika, la maison. En plein forêt. Donc, une maison qui est belle. D'accord? Une maison. Belle. Dans les montagnes, le ciel se couvre de nuages. Dans les montagnes, il y a fil jibel. Le ciel, il y a ni sama, mratiya bayesh, des nuages, il y a ni le souhub, il y a ni des blanches, il y a ni souhub bayda, ça fait. Saïd a mis sa tenue de skou. Donc, naya, Saïd a mis sa verte tenue. Ça fait sa verte tenue de skou. C'est bien, donc on dit la tenue féminin, donc verte c'est comme féminin, l'adjectif c'est comme féminin. Ça fait donc naya naradindiro. Donc j'écris une légende pour chaque image en utilisant des groupes nominaux avec des adjectifs qualificatifs. La phrase hadi afwan l'image hadi mumkin dans les montagnes. Le ciel se couvre de blanches nuages. D'accord? On dit, par exemple, on dit la forêt nous donne de l'air. De l'air pur. Donc, on commence la vidéo d'aujourd'hui. L'activité de la grammaire. Les adjectifs qualificatifs. Je vous remercie de vous